Yesu ni wangu, uzima wa milele. Yesu ni wangu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل 5 x 8, 40. 8 x 1, ça fait 8. 8 plus 4, 12. 2 x 9, 18, plus 3, 5 x 5, ça fait 25. Grand-mère, tu es réveillée. Bonjour. Que Dieu te garde. J'ai prié juste avant de venir te voir. Fais ta prière. Ma prière. Que Dieu accepte ta prière. Tu pars demain? Oui, demain très tôt. Laissez le bon roi en décider, s'écria le jeune garçon agenouillé devant le palais. C'est à lui que nous voulons parler. Mes compagnons et moi-même avons traversé le désert pour arriver jusqu'à lui. Dites-lui que son frère nous envoie, qu'il est toujours en vie et qu'il lui pardonne. T'as compris ce que j'ai lu? Toi, t'es pas allé à l'école? Non, je suis pas allé à l'école. Je suis allé à la mosquée. J'ai appris auprès du taleb du village. Il nous apprenait le Coran. Le Coran et ses sourates. C'était ça l'école? Oui, le Coran. Les gens instruits étaient à la mosquée. Ceux qui voulaient instruire leurs enfants les envoyaient à la mosquée. C'était un autre temps. À l'époque, c'était rare d'aller à l'école. Mais heureusement, les choses changent. Étudie, apprends pour ne pas être comme nous. Tu comprendras mieux la vie, tu seras instruite. Tu deviendras comme toutes les filles de ta génération, quelqu'un d'instruit. أدي غيمون إن شاء الله سامحي يا أمي إحنا سامحي Tu prends la route demain matin? Ne couche pas trop tard. Essaye de te coucher tôt et de te reposer. Tu commences à quelle heure demain? 10h. J'ai cours de 10h à 18h. Dans la vie, il n'y a rien de plus important que l'école. L'instruction. Tu as la chance de pouvoir y aller. Il faut que tu sois sérieuse. Et tu réussiras, si Dieu le veut. Inch'Allah. Que Dieu t'aide. Qu'il te donne la force de mener à bien tous tes projets. Inch'Allah. Noura aussi y va. Elle part avec Noura et Zine. Ouais. Zineb, Noura, les filles, je suis contente de vous revoir. Ça va? Vous avez fait votre voix? On a fait ce qu'on a pu. C'était dur. Allez, on y va. Ouais, faut y aller. J'ai pas l'air, je passe devant. Avec ta poule. Si elle m'énerve, je lui tords le cou, elle est prévenue. Ma tante est venue nous voir ce week-end. Ah oui, ta tante. Son mari, elle est venue. Ouais, elle a bougé. T'es fatiguée? Oui.
ça quand on veut vraiment étudier. Faut s'accrocher. Y'a rien de plus dur que d'étudier. Eh ben... très mal aux pieds. Oh, c'est pas vrai. Regarde où elle est. Elle dort ou quoi? Noura, dépêche-toi. Dormi. Elle est fatiguée. Moi aussi, d'ailleurs. On est toutes fatiguées. Davy ne fait jamais le trajet seule. C'était l'unique condition pour qu'elle puisse continuer à aller à l'école. Et elle préfère. Ça lui donne du courage et c'est plus joyeux. En compagnie de ses deux amis, Devi et Mohini, les 5 km à pied lui paraissent beaucoup plus courts. Erbol et son père ne se déplacent qu'à cheval, et pour cause. La Kirghizie, voisine de la Chine et du Kazakhstan, est un pays de montagne, à perte de vue. Leur maison est perchée à 2400 mètres d'altitude, loin de toute civilisation. Ici, aucune présence humaine à des kilomètres à la ronde. Ils vivent sur le territoire des animaux sauvages. En hiver, ils endurent des températures extrêmes. Le thermomètre frôle moins 50 degrés. Mais leur véritable ennemi, ce n'est pas le froid. C'est le loup, un prédateur impitoyable. Il y a deux jours, les loups ont tué des juments au village voisin. Parce qu'il craint pour son bétail, son père les traque. Erbol n'a pas cours aujourd'hui. Il l'accompagne. Ils ont repéré la piste des loups et elle se rapproche dangereusement de leur maison. Demain, en partant seul sur le chemin de l'école, il aura la peur au ventre. À 12 ans, Erbol est le plus jeune de la famille, le dernier à vivre encore avec ses parents. Son père lui apprend, comme à ses 6 frères et sœurs, à braver cet environnement hostile. À son âge, c'est une question de survie. Si les mâchoires du piège de métal se referment sur un des loups, les autres fuiront le danger et s'éloigneront d'ici. Une précaution qui rassure Erbol à la veille de sa rentrée. Erbol est très attaché à son cheval. Bourou est un vrai compagnon. Et bien plus encore, son seul moyen de se rendre au collège.
Erbol est un héros aux yeux de son petit cousin qui ne va pas encore à l'école. Ça le flatte. Et il prend plaisir à lui raconter toutes sortes d'aventures vécues sur son chemin. Un bon moyen pour intéresser son cousin à l'apprentissage de la lecture. Les matins où Erbol part à l'école, sa maman s'inquiète. La météo est capricieuse. Au moindre incident, elle sait que son fils devra se débrouiller tout seul. Son père, lui, veut être sûr que les maîtres reconnaissent le mérite de son fils. À 12 ans, venir de si loin, faire ses devoirs à la bougie, ses professeurs doivent admettre qu'il s'accroche pour réussir. Erbol apprécie cette vie en pleine nature, au cœur des sommets d'Asie centrale. Mais l'instruction lui ouvre de nouveaux horizons, et au fond de lui, grandit une autre envie. Même s'il aime passionnément ces montagnes, il doute de vouloir vivre comme ses parents. Il fera peut-être le choix de partir. Erbol, lui, est décidé à faire des études supérieures pour devenir informaticien. Il est fier d'être kirghize. Il étudie avec plaisir l'histoire de son peuple, de ses origines et les grandes destinées des hommes qui luttèrent pour l'indépendance de son pays. Il est 5 heures du matin. Le froid est cinglant. Moins 40 degrés au thermomètre. Bien moins en réalité à cause du vent. Erbol prend son courage à deux mains pour quitter la chaleur douillette de la maison. 13 kilomètres le séparent de son école. Elle se trouve de l'autre côté des montagnes. 3 heures en haute montagne attend Erbol. Il a beau connaître l'itinéraire, son père le rappelle chaque fois à la prudence. Et toujours la même recommandation, ne jamais lâcher sa monture. C'est la règle. Erbol, lui, a tissé une incroyable complicité avec son cheval. Avec Bourou, il partage les secrets de ce chemin qu'il parcourt chaque matin et chaque soir. L'itinéraire préféré, les espaces où partir au galop, les ruisseaux où boire, les zones de danger aussi, sur les territoires des loups. Ils comptent l'un sur l'autre. La moindre imprudence peut être fatale. Si la glace se brise, aucune chance de s'en sortir sans secours. Son cheval est inquiet.
mais Herbol a moins peur de la chute que de la présence de loups. Il se rassure en encourageant Bourreau. Cela fait maintenant une heure et demie qu'il a quitté la maison. À chaque difficulté, il perd un peu plus de temps. Difficile de prévoir si d'autres obstacles se mettront sur sa route. Il est encore dans les temps, mais la moitié du chemin reste à parcourir. Avancer, coûte que coûte. Leur périple pour rejoindre le collège est chaque fois différent. Ils ne sont jamais à l'abri d'incidents ou de bonnes surprises. Oi, taptım! Ça n'en a pas l'air, mais ces baies sauvages sont un trésor. Elles valent la peine de perdre quelques minutes précieuses. Paul a enfreint la seule règle d'or en lâchant Bourreau. Dans ce désert blanc, privé de sa monture, il sait qu'il n'est pas en sécurité. Cela fait presque 2h30 qu'Herbol est parti. Si tout va bien, dans une demi-heure, il sera sur les bancs de l'école.
Au galop, Herbol a un sentiment de liberté. Un abandon qui permet aussi de relâcher les tensions. La chevauchée kirghize aura duré 3 heures. Il arrive chez sa grande sœur, qui habite au village avec leur grand-mère. C'est ici qu'il laisse Bourou. Avant de rejoindre l'école, il s'y prépare pour retrouver ses camarades. Le jeune cavalier des montagnes se transforme en parfait collégien. Ce soir, il retrouvera sa monture et ensemble, ils reprendront le chemin de la maison. Et quand il retrouve son ami, il ne regrette pas un instant d'avoir désobéi. Bocor, kamu bagus-bagus pergi sana itu. Jangan sampai ada anu. Ya, Mak. Ya, Mak. Ya, Mak. 400 habitants vivent ici, sur Pulau Silawa. L'école qui accueille Annie regroupe les élèves insulaires de tout l'archipel. Mais elle se trouve sur une autre île, à 1 heure de bateau. À deux, le chemin paraît moins long. Fière d'être bonne élève, Annie parle de son école à Sapri. Il aime les cours d'anglais et de sciences. Aujourd'hui, il est chargé d'apporter une étoile de mer en classe. Se réveiller tôt le matin pour prendre le bus et aller en classe, c'est déjà une épreuve pour certains. Mais que dites-vous de marcher 5 heures sur un flanc de montagne escarpé ou de traverser une rivière dangereuse sur un pont à moitié décroché ? Découvrons tous les périples fous que font les enfants du monde pour se rendre à l'école. Une épreuve d'équilibre. Près de Padang, dans l'ouest de l'Indonésie, les écoliers ont chaque jour l'occasion d'exercer leur talent d'équilibriste. Le pont n'a pas résisté aux intempéries et a laissé place à un fil de funambule qu'ils doivent parcourir 10 mètres au-dessus du vide. Quand il pleut, les cordes deviennent extrêmement glissantes et les écoliers craignent de tomber dans la rivière. Après ça, ils ont encore 11 km de marche à travers la forêt. Tant que ça flotte, c'est top. Traverser la rivière Sierang sur un radeau de fortune est une affaire quotidienne pour les lycéens de Silangkap, un peu plus au sud de l'Indonésie. Les familles n'ont pas les moyens d'acheter un canoë et sont contraintes de fabriquer elles-mêmes des embarcations improvisées,
tout juste capable de flotter. Une marche dans l'imprévu. Au nord de l'Inde, dans l'état du Cachemire, les enfants doivent parcourir une vaste étendue de neige et de glace dans l'espoir d'atteindre leur pensionnat, perdu dans les montagnes de l'Himalaya. Même si un guide les accompagne, le voyage reste risqué. Les lacs gelés sont particulièrement traîtres, car la glace est fine par endroits, et vous pouvez facilement passer à travers. Le simple fait de glisser ou de tomber dans une crevasse peut également s'avérer fatal, sans parler des avalanches qui représentent un danger tout aussi imprévisible. Droit vers le ciel. Direction maintenant le village de Zhangjiawan, au sud de la Chine. Là-bas, les écoliers doivent entreprendre chaque jour un voyage périlleux au sommet des montagnes. L'ascension ne se fait pas en marchant, mais en grimpant à la verticale, à l'aide d'une série d'échelles posées à flanc de falaise et dépourvues de tout dispositif de sécurité. Un autre chemin est possible, mais nécessiterait de marcher pendant 4 heures. Malgré le danger, tout le monde préfère emprunter les échelles. Le pont du diable. Décidément, les enfants indonésiens sont mis à rude épreuve pour accéder à leur éducation. Dans le sud du pays, ils doivent franchir un pont suspendu pour atteindre leur école, près de Lebak. Le gros problème, c'est que le pont est gravement endommagé et n'est accroché que d'un seul côté. Tous les enfants, petits et grands, doivent donc le parcourir à la verticale et n'ont parfois qu'un ou deux centimètres pour mettre les pieds. Heureusement, depuis que les photos ont été diffusées sur le web, une levée de fonds a été organisée et un pont tout neuf a pu finalement être construit. La savane à parcourir. Dans la campagne sud-africaine, les écoliers doivent souvent marcher plusieurs kilomètres avant d'arriver à destination. Ils sont forcés de partir très tôt le matin, dans l'espoir d'échapper à la chaleur accablante, qui s'installe très vite après le lever du soleil. Mais le plus gros danger reste les animaux sauvages, qui peuvent croiser leur chemin à n'importe quel moment. Adrénaline garantie. En général, on fait de la tyrolienne pour le fun et l'aspect loisir, mais pour ces enfants colombiens, il s'agit d'une véritable nécessité. Pour rejoindre l'école, ils doivent traverser chaque jour la rivière Rio Negro, en plein milieu de la forêt, à 65 km de Bogota. La traversée dure environ une minute et leur fait atteindre 80 km/h, 400 mètres au-dessus du vide. Beaucoup font comme cette jeune fille, qui a placé son petit frère dans le grand filet gris et se sert d'un bout de bois pour freiner sa course. Inutile de préciser, il n'y a pas de harnais de sécurité ou quoi que ce soit dans le genre, et vous avez intérêt à bien vous accrocher. À travers les montagnes. En Chine, l'école primaire de Gulu est l'un des établissements scolaires les plus reculés de la planète. Pour certains enfants, le trajet peut durer plusieurs heures et passe par des sentiers assez flippants, qui ne font parfois que quelques dizaines de centimètres, pas plus. Mieux vaut ne pas trébucher. L'école peut paraître vétuste, mais c'est pourtant l'un des bâtiments les plus modernes du coin. Bull Power. Partons maintenant en Inde, dans la banlieue de New Delhi, où les écoliers ont droit à une charrette à bœufs comme moyen de transport. Ça semble être du grand luxe par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Oui, sauf que le véhicule peut devenir vite extrêmement surchargé. Plus de 35 enfants se retrouvent ainsi sur une même charrette et espèrent arriver en classe le plus vite possible. Il suffit d'une bosse ou d'un léger déséquilibre et on frôle la catastrophe. Tout peut devenir un pont. Retour en Indonésie, où les enfants ont décidé d'emprunter un aqueduc pour se rendre à l'école. Problème, l'édifice n'a jamais été conçu pour servir de pont et reste particulièrement dangereux. Le passage est réduit à une planche de quelques centimètres de large, à peine assez pour poser un pied. Pendant la saison des pluies, qui dure d'octobre à avril, le bois est constamment mouillé et devient glissant. Mais les écoliers préfèrent prendre le risque, car ce raccourci leur fait économiser 6 km de marche. Buvez la tasse, c'est gratuit. Dans la commune de Phuong My, au Vietnam, 70 élèves d'école maternelle et primaire doivent emprunter chaque jour un pont à moitié détruit. Ils sont généralement aidés par des adultes, mais il arrive qu'eux aussi tombent dans l'eau et rentrent chez eux trempés. Lors de la saison des pluies, la rivière déborde et il est facile de se faire emporter par le courant. Malgré ça, les autorités n'ont pas annoncé la construction d'un nouveau pont. Pas de limite. À l'extrême ouest de la Chine, les 80 pensionnaires de l'internat de Pili embarquent dans un périple de 200 km à travers les montagnes. Ils marchent le long de parois quasi verticales, traversent 4 rivières et empruntent une tyrolienne et des ponts faits d'une simple planche en bois. Le voyage dure 2 jours et une nuit, et ils le réalisent 4 fois par an au total. Petit mais courageux. Dans la province de Rizal, aux Philippines, les enfants utilisent des bouées gonflables pour traverser la rivière. L'école primaire se situe dans un village isolé, à une heure de marche. Parfois le courant est trop fort, et ils sont contraints de manquer les cours, ou bien ils ne peuvent pas rentrer chez eux, et sont hébergés chez des amis ou de la famille.